I just feel I need to let you know that I don't plan to live here on my own. Stupid shot is arrow through my bones. Oh oh oh. La radio de votre région. De votre région. Passion, passion, passion. Eh bien, voilà les amis, déjà 21h, passé 2 minutes sur les ondes de Passion FM. Alors aujourd'hui, on a pas mal d'invités. On a reçu en première partie de l'émission, quoique c'est jusque maintenant, donc c'est plus en première partie, notre ami Laura Crow and him, l'ami Eric, avec bien sûr une découverte d'artistes vraiment assez exceptionnelle. On a en 20h, on a eu notre ami Harmonie Desjardins, donc qui nous a parlé du jardin naturel, n'est-ce pas? Notre ami Nadia, qui reste en notre compagnie, c'est toujours un plaisir, n'est-ce pas? Et puis, on va consacrer une demi-heure à un artiste un petit peu hors du commun. Alors, on va expliquer un petit peu qui il est, comment on l'a découvert, et alors de quelle manière. En fait, cet artiste se nomme Dimash Kudaibergen. Alors, tu vas me dire, la prononciation, c'est pas évident. Effectivement, je l'ai découvert par l'intermédiaire donc, de ce nom d'artiste, Dimash Kudaibergen, France. Alors, cette page a pour mission de soutenir et promouvoir en France un chanteur exceptionnel, inclassable hors norme, donc Dimash. Sa voix céleste lui a valu le titre de trésor national du Kazakhstan, son pays d'origine, mais il possède un don rare et précieux, celui de toucher les gens. Alors, il chante de tout son cœur, de toute son âme, si bien que nous recevons toutes les émotions qu'il véhicule et qu'il nous envoie. La musique n'a pas de frontières. De plus, il est doté d'une très belle personnalité. Dimash, donc, des Bergen de France, c'est à la fois un fan club, également une association. Et bien sûr, si vous désirez également la rejoindre, eh bien, il y a une adresse mail qui est dimashfrance@gmail.com. Voilà un petit peu comment je l'ai découvert. J'ai découvert également par rapport à des radios, des télécrochets. Il a participé à différentes compétitions, mais pas que. Et on va découvrir, si tu veux bien, son tout premier album. Et on va découvrir cette voix qui est quand même assez exceptionnelle. Alors j'en parle parce que oui, parce que en fait il avait repris donc une chanson. C'était SOS d'un terrier en détresse. Donc bien sûr de Luc Plamondon. La chanson que l'on connaît tous et toutes avec voilà, et c'est vrai qu'à ce moment-là c'était assez exceptionnel de le voir chanter cette chanson, déjà pas évidente au départ. Moi je suis pas chanteur, donc voilà, mais je peux demander à mes amis chanteurs. C'est pas sa langue. C'est pas sa langue non plus. Donc en fait Dimash est un chanteur kazakh né un 24 mai 1994. Ses parents sont des artistes également reconnus de la République du Kazakhstan. Dimash se produit sur scène pour la première fois à l'âge de 2 ans. Il commence à suivre des cours de piano et de chant à 5 ans, âge auquel il chante également pour la première fois au conservatoire de musique. Et à 6 ans, il remporte un concours dans la catégorie piano. Alors en 2010, il gagne le concours de chant au Festival international Voix sonore de Baïkonour pour le grand prix au concours d'interprète, ainsi que le premier prix du concours international télévisé des jeunes interprètes Bazar Oriental en 2012. En 2013, il remporte le concours du premier festival international de jeunes interprètes et en 2014, il est diplômé du College of Music dépendant de l'UNIF Tubé dans le département de chant académique, et à partir de cette année, il étudie à la faculté de Popart de l'Université nationale kazakh des arts. Voilà, pas des noms toujours évidents à prononcer, mais au lieu de parler énormément, on va écouter une première chanson, c'est Screaming. C'est une chanson, en tout cas, qui a été composée par le célèbre Mughal, première chanson anglaise qui a été écrite pour Dimash. On va écouter cette chanson, donc, Screaming. In the storm,
this way to face us, baby. I know it's difficult, but can we try once more? I'm good, it's right this time. I'm screaming. Amis, découverte d'un bien bel artiste dimanche, Koudebergen, avec ce premier titre Screaming. On continue avec Sabio, car sa renommée et sa popularité sont arrivées après qu'il ait remporté lors du festival international de Slavianski le Grand Prix. Oui, le Grand Prix du 24e concours international des interprètes de chansons pop. Le premier jour, il a chanté la chanson de Constantin Meladze. Le deuxième jour, il a chanté la chanson SOS d'Intérieur en détresse de Balavoine, écrite par Luc Plamondon et composée par Michel Berger pour l'opéra rock Starmania, connu jusque dans les pays issus de l'ancienne Union soviétique, dont le Kazakhstan. Allez, on va écouter une deuxième chanson de notre ami donc Dimash. C'est If You Never Breathe Again. Il a participé donc au show Fantasy sur Yunnan TV en Chine, et pour cette occasion il a tourné un clip vidéo dans lequel il joue le rôle d'un boxeur. C'est dans quelques sorte la première fois qu'il nous montre également ses talents d'acteur. On va écouter cette chanson, If You Never Breathe Again.
Voilà, les amis, découverte d'un bien bel artiste aujourd'hui, dimanche, avec cette chanson « If I Never Breathe Again ». Continuons à découvrir la bio, car en 2017, il participe à l'émission de télécrochet chinoise « Singer », en 2017 donc, diffusée sur la chaîne Human Television. La compétition retransmise chaque semaine comporte donc 6 manches, chaque manche se déroulant sur 2 semaines. Les gagnants sont déterminés par le vote de l'assistance. De janvier à mars 2017, Dimash remporte la première manche, est deuxième lors de la deuxième manche, et premier lors de la troisième, cinquième lors de la quatrième et premier lors de la cinquième. Il finit donc en deuxième position de la compétition qui se termine donc le 15 avril 2017. Continuons également à découvrir les titres de notre ami Dimash que l'on découvre. Superbe voix. On va écouter cette chanson Give Me Your Love, une chanson donc composée par Dimash avec vous verrez bien, vous sentirez des influences de Michael Jackson dont il est fan. Give Me Your Love, Dimash. Oui.
的爱无法挽救，只能沉默接受。脆弱的梦去演多久，两个人的伤口，光阴把过去都带走，让我独自承受，困在回忆不肯放手，那最初的温柔，这就比秋风的温柔拼命后，这就比秋风的温柔。Passion FM. Et oui les amis, aujourd'hui une demi-heure consacrée à notre ami Dimash avec des titres vraiment extraordinaires, une voix magnifique. On écoutait Give Me Love ou on avait prévu Give Me Your Love? Eh bien écoutez, il n'y a pas de souci, on va l'écouter maintenant. Donc cette chanson composée par Dimash sous des influences, vous le verrez, de notre ami Michael Jackson. Et oui, Give Me Love, Give Me Your Love, a toujours été notre ami Dimash, cette superbe voix. Merci en tout cas les amis pour cette découverte. Give Me Your Love. C'est parti.
Passion FM est aussi sur le web. Rendez-vous sur radiopassion.fm, radiopassion.fm, la page Facebook de la radio ou la plateforme maradio.be. Maradio.be. Passion FM vous accompagne partout. Et oui, les amis, avec cette, ce bien bel artiste aujourd'hui, Dimash. Vraiment une découverte, et merci en tout cas, donc, au fan club français, pardon, d'avoir permis également que nous puissions diffuser ces chansons aujourd'hui. C'est vraiment une bien belle découverte, et on va continuer encore à découvrir une ou deux chansons extraites de son CD, de son très très beau répertoire. Nous étions le 15 avril 2017, et on peut remarquer que ses prestations vocales, en tout cas lors de ce concours, sont particulièrement remarquées sur les réseaux sociaux qui lui permettent d'acquérir une notoriété internationale. C'est vrai qu'il est doté d'une tessiture impressionnante couvrant plus de 5 octaves, et oui, c'est quand même rarissime. Il se montre notamment capable de passer du registre pop au registre lyrique très rapidement, de produire des mélismes et des figures vocales très complexes sans difficulté apparente. Maîtrise également la voix de sifflet, le registre le plus élevé apparemment de la voix humaine, découverte de cet artiste avec cette voix assez exceptionnelle. Le titre suivant se nomme Sagindim Seni, et oui, qui veut dire Miss You, tu me manques, est une chanson composée, écrite également par le papa de Dimash pour son épouse. Elle est chantée dans sa langue maternelle, le kazakh. Découvrons donc cette chanson et cette voix exceptionnelle. Кәусер күңіл күл ашып, арман қарман оласып, жүректерде шаттанық. Нас күлкіңмен әлтеленген, айлы түнді сағындым. Өрнектелген ән күйменен жан сырыңды сағындым. Жастың әсем таңдарында келеді өшем арманыңа. Сол күндерді сағындым, сағындым жаным. Дякую
사랑당 흐릿되긴 남김에니 산사랑도 사랑당 샤스는 에센 당다란다 길에 두신 말만은아 솔근데도 사랑당 Avec cette chanson Sagaline Séni qui veut dire Miss You, tu me manques. Très très belle interprétation dans sa langue maternelle, le kazakh. Et puis on va encore découvrir une chanson. Et également, n'oubliez pas de vous rendre sur la chaîne YouTube de Dimash, car donc il y a une vidéo. Donc il joue le rôle d'un boxeur et puis il chante If I Never Breathe, Breathe Again. N'hésitez pas à vous rendre bien sûr sur la page de la chaîne YouTube de notre ami Dimash également. N'hésitez pas à rejoindre le fan club, on va dire ça ainsi, les personnes en tout cas qui le soutiennent au niveau de la France, c'est Dimash Kudaibergen France. Rejoignez-le car vous verrez qu'on peut vraiment aider, épauler et puis écouter ces artistes qui ont des voix assez extraordinaires, qui sont parfois un peu médiatisés, je ne sais pas pourquoi, car nous ici on n'hésite pas bien sûr à le diffuser, à prendre connaissance d'une bio, même si parfois certains termes, disons-le, ne sont pas toujours aisés à lire, excusez-moi, autant pour moi, c'est pas toujours évident, mais voilà, c'est une découverte. Et puis il y a également ce fameux titre qu'on découvrira peut-être tout à l'heure à la demande de notre ami Nadia, ce fameux titre SOS d'intérieur en détresse, où il a une voix, c'est merveilleux. Enfin, je veux dire que j'ai rarement entendu quelqu'un, sinon Ivan Rebrov, un chanteur russe qui avait aussi une tessiture très très linge, d'avoir un chanteur qui avait cette tessiture, passant du ténor à la soprano, passant du lyrique au rock'n'roll, passant vraiment de voix très graves à des voix très aiguës. Donc c'est assez exceptionnel et d'une facilité, il faut voir les vidéos, assez extraordinaire. Donc voilà, je chante pas très juste, je me dis waouh. Moi encore moins. D'accord. Donc on ne fera pas un duo demain. Non. Ni un trio avec Rudy non plus. Qu'on salue, qu'on remercie d'être là. Rudy, non, pas de trio. Bonsoir. Ouais, bonsoir Rudy, pas de trio, pas de duo. Bon, ben tant pis. On se dit à on va laisser ça. Oui, aux professionnels, à Laura Crowley. Je prendrai les photos. Tu prends les photos, oui. Bon, on espère toujours faire un duo, faire un trio, mais voilà. Donc, n'hésitez pas, je vous le disais, à rejoindre donc la page d'Image Kudaibergen France, et bien sûr, plein d'actualités, et ce CD qui est merveilleux. On va terminer ce petit tour d'horizon du répertoire de notre ami d'Image par une chanson, mais à la demande également notre ami Nadia, on ajoutera bien sûr ce SOS d'intérieur en détresse. Un petit peu de nostalgie. Oui. Ah, mais Balavoine, bien sûr, mais chanté par quelqu'un qui a un talent extraordinaire, une facilité au niveau de la voix, quelque chose d'assez particulier, c'est assez extraordinaire. Voilà, donc découverte d'un artiste qui doit être médiatisé. Je suis curieuse. Nous la dédicacerons pour toi, n'est-ce pas? On fera une dédicace. Je suis gâtée, hein, mais c'est ça, dites beaucoup donc. De dédicaces. Voilà. J'attends la chanson Les Accords Toltec. Ah, peut-être bien dédicace pour notre amie Nadia. Alors, on va terminer donc ce petit tour d'horizon. On aura encore certainement des choses à dire, car nous tenons à l'œil, en tout cas, Passion FM se lie, en tout cas, avec Dimash Kudaibergen France, pour continuer à promouvoir ce bien bel artiste. On va terminer par cette chanson de Crown. Et apparemment, nous sommes également écoutés par des auditeurs chinois, donc on les salue. Oh. Hello. great to meet you. Voilà, c'est tout ce que je sais dire. Et encore, le chinois, je ne maîtrise pas du tout. Et donc, on va écouter et découvrir de nouveau ses prouesses vocales, et tout particulièrement pour notre amie Nadia, ce sera également le SOS d'un terrien en détresse, Ida Crown. Todo yo
潦潦草草的离开，越不敢越不安，越深爱越悲观，爱是荆棘漫漫，对痛的为何不肯摘，为你爬上藤蔓，为苦写的遗憾，就让我带上你给的皇冠，当下过了就伸出再破关，兜兜转转你amis, découverte de ce grand monsieur futur, j'espère, grand parmi les grands, car voix exceptionnelle, et puis c'est vrai qu'on l'a découvert nous, en tout cas, on a eu l'occasion de le voir à un moment donné chanter SOS d'intérieur en détresse, ce qui pour nous également est marquant, et puis important, parce que voilà, c'est une chanson qui a marqué notre époque, et qui la marque toujours, Balavoine, bien sûr, Luc Plamondon, c'est bien sûr cette opération, cette comédie musicale. Enfin, en tout cas, quoi qu'il en soit, on va pas rentrer dans la mélancolie et exacerber, ça sert à rien. Une dernière chanson de Dimash et puis on continuera notre émission en compagnie de nos amis Rudy et notre ami Nadia. Un peu de high-tech tout à l'heure, un peu de sport et puis bien sûr encore un petit peu de bien-être. Et dans quelques instants, j'espère de tout cœur que notre groupe suivant va arriver, Suffocating Minds. On aura l'occasion, j'espère en tout cas, de les découvrir. Allez, encore un titre de Dimash, on ne s'en lasse pas. Димаш Кудайберген, Казахстан. Покажи, покажи мне, покажи, покажи мне. J'ai mûri hier sur toi. Je prends mon prêtre oiseau. Seul là dans ma peau. Je voudrais voler. Oh,
beaucoup de jours qu'au fond de la vie avec les bons dessinés. J'ai comme nos zombies, tu me t'as ma force. Je sens quelque chose qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire. Димаш Кудайберген, Казахстан! И море поклонников блестящего артиста. Et bien, les amis, je vais vous faire découvrir également donc, ce titre donc, de Dimash Kudaibergen, donc avec SOS d'Intérien en détresse, évidemment, on aura reconnu cette chanson, bien sûr, Luc Plamondon, Balavoine, bien sûr, Starmania, hein, bien sûr, si je ne me trompe pas, de comédie musicale, c'est bien juste, les amis, c'est Starmania, oui, dites-moi oui, dites-moi non, dites-moi oui, oui dites-moi non, oui. Dites-moi quelque chose, oui, c'est Starmania. Dites-moi oui, ça va, ok, merci, voilà, donc Dimash Kudaibergen, découvert d'un énorme artiste aujourd'hui avec une voix exceptionnelle. Je remercie bien sûr le fan club de France. Donc on va bien sûr reciter les sources. Donc Dimash Kudaibergen, excusez-moi pour la prononciation encore une fois, mais voilà. Donc France et également donc je pense en Belgique commence également à y avoir des fans. En tout cas nous sommes nous en tout cas Passion FM disposés à encore diffuser des chansons de ce bien bel artiste et puis on espère bien sûr toujours le recevoir en studio. Qui sait s'il vient jouer en France, une petite pointe en Belgique. On se débrouillera au niveau des langues, car le Kazakhstan, hélas, on ne maîtrise pas, mais on peut toujours avoir des interprètes anglais et vraiment l'invité Dimash Kudaibergen, une voix exceptionnelle, une présence sur scène indéniable, et puis un remerciement tout particulier à, aux personnes qui m'ont envoyé, en tout cas, l'album. On a décidé ensemble d'une playlist, il y a encore des chansons à découvrir, et on va peut-être sélectionner tout en fin d'émission encore une chanson de ce bien bel artiste. Voilà, on va si vous voulez bien continuer notre émission, restez bien à l'écoute et puis on reste en contact bien sûr pour la suite des événements avec ce magnifique artiste qui est Dimash, encore une fois sorry pour la prononciation, désolé pour les noms propres parfois un petit peu chaotiques et bon voilà, on s'exerce mais voilà, hein, que voulez-vous, mais vous verrez qu'un jour sur Passion FM on parlera quasiment toutes les langues du monde, voilà, on va bien sûr rester en contact et directement
enchaîner avec nos artistes suivants. Merci à vous en tout cas et bien sûr, excellente, excellente soirée à vous tous et à vous toutes. Passion FM, la radio pour vous et avec vous. Passion FM. André, sur Passion FM.